Bonjour, ici Hugo Valiquette de La Troquelle qui vous présente l'Entracte. Au menu aujourd'hui, nous allons parler de mobilisation. Comme vous le savez, la campagne Engagez-vous pour le communautaire, c'est-à-dire la campagne unitaire du Mouvement d'action communautaire autonome québécois, a présentement lieu. Et dans la région Lanaudière, la période d'inscription bat son plein. Pour les activités du 8 novembre, c'est-à-dire la journée préparatoire, et le 9 novembre, la grande marche du communautaire à Terrebonne, on a besoin de vos inscriptions. Pour vous rappeler un petit peu, le 8 novembre, c'est la journée préparatoire. Toute la journée, on se rejoint au club de golf Montcalm pour se préparer à la mobilisation. Plusieurs d'entre vous auront l'impression que le 8 et 9 novembre 2016 est une copie, en fait, du 2 et 3 novembre 2015. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas le cas. Tout d'abord, rappelons-nous les chiffres. 275 personnes à la journée préparatoire l'année passée et 800 personnes à la marche à Terrebonne. Cette année, on n'a pas le choix de faire mieux. Parce que, pour la première fois à la grandeur du Québec, le mouvement communautaire autonome est uni sous la bannière « Engagez-vous pour le communautaire ». Et dans Lanaudière, ça veut dire qu'il faut battre nos records de l'année passée. 120 organismes communautaires avaient fermé leurs portes pour signifier au gouvernement du Québec qu'on a besoin de rehausser notre financement. Parce que vous le savez, si on ferme deux jours, c'est dans le but de ne pas fermer pour toujours.